tout le monde. T'as vu la petite transition là, comme à l'époque, l'époque de la Mega Drive. Il y a du budget, hein, je t'ai dit. Hein. Ouais. Alors là, c'est gros. On a du gros, c'est du P1. C'est une marque que j'adore. Vraiment, ils font vraiment des belles choses. Les Japonais. On va découvrir ça ensemble. Hein. On va commencer. C'est grand. Alors, ça regarde pas. C'était le carton. Hop là. Bah, vous devez avoir un petit indice, si vous voyez dans le coin la télé qui tourne. Normalement, pour les fans, vous devez avoir compris ce que c'est. Et ben, ça fait la guerre. Bon, bah, il y a un mode d'emploi qui a fait la guerre. Je suis l'état du truc. Et mais ils ont fait quoi? Ils ont bouffé le carton. Catalogue VP1. Hein. Bon, hâte de feuilleter ça, on verra bien. Ouais, c'est du Robotech. Macross en japonais. Robotech chez nous. Le Skull Leader. C'est mon préféré. J'adore la skin de cet avion. Il me fait penser à 14 de Top Gun. En blanc comme ça, il déchire blanc et noir avec la tête de mort sur l'aileron derrière. C'est excellent. Alors, et ça c'est bon. Je déballe. Comment je vais faire ça, ça va être joli. Bon, on va faire ça comme ça. Un peu de suite. Voilà. On va mettre le carton. Alors là, les gars, non, on va faire ça intelligemment, tiens. Comme ça. Et voilà. Parce que je réfléchirai avec mon coup. Voilà. Quel con. Voilà la bête. Je vais la remettre pour que vous la voyez. Voilà. Voilà la box. Énorme box. De cette Robotech. Ils ont scotché ça comme des bourrins en fait. On verra bien. Ouais, franchement, le scotch là, je comprends pas leur délire. En fait, le carton, c'est déjà bousillé. Bon, on va faire comme ça. Ici, ils ont scotché ça. Comment c'est cake. Bon. Et PR, les gars, là, un peu space votre scotch là, un peu partout là. Ok. Et je suis comme un gosse, moi je vais l'ouvrir tout de suite, je vais couper les doigts. Là, je suis vraiment fan de cette licence. Là, c'est vrai que c'est pas connu. Hein. C'est pas un manga courant, on va dire. Un anime courant. Bon bah on va refaire comme avant parce que là, j'ai peur de tout péter. Ça va être chaud, hein, je vous dis pas. Alors, top, c'est où? Caution, qu'est-ce que c'est marqué? Il y a un petit truc rouge là, c'est marqué, attention. Je sais pas ce que c'est. Un trou? Qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, je ne vais pas le déchirer, je vais l'ouvrir de côté. Hop là, hop là. Et voilà, on est bon.
je sais que ça c'est pas. C'est pas le meilleur dans la vidéo. Hein. Ils ont scotché ça comme des. Il scotche partout. Là. Voilà. Oh. Est-ce qu'il est en entier? Oh putain, je vois déjà des ailes là qui se baladent là. Qu'est-ce que ça fout là? C'est pété, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, je ne sais rien. C'était quoi ce... Ah, c'était pour laisser passer les... Ouais, et les gars, bon. C'est pour laisser passer les vagues du sol. Bon, c'est bon, elle remplit toute la pièce, hein. C'est bon. Voilà, ça je sais pas, les deux ailes, peut-être elles se plantent à quelque part, hein. Je vais voir, ça m'a pas l'air cassé, c'est monté, je sais pas, voilà. Je vais poser ça par terre, mais le socle tournant, je vais prendre le socle, hein. Premier, alors voilà, il y a la papille. Voilà. Voilà. J'ai dû la mettre. Oh, ce socle. Alors, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, franchement, la flotte là, ouais. La flotte, ils auraient pu faire un peu plus joli, quoi. C'est bleu, quoi, avec des reflets blancs. Il n'y a pas assez de transparence. Par contre, ça, c'est super joli, là. Ça, c'est beau. Mais la flotte, ouais. Un peu déçu par la flotte, là. Franchement, P1, là. Ouais, j'ai bien fini, là. Les deux ailes, là, qui sont parties, est-ce que c'est des pièces détachées? Ok. Bon, ça va bien. Alors. Peut-être que je sors, ça serait pas mal. Une jambe. Une jambe. Même bah, l'effet de flamme, ça va. Là aussi, l'effet de flamme, ça aurait pu être un peu plus transparent, là, je sais pas. C'est pas moche, hein, mais. C'est du P1 quand même, les gars. La peinture, ben, c'est mat, ouais. Non, c'est cool. Ça va. Ouais. Peinture, ça va, il y avait les mats. Peut-être plus brillant, je sais pas. En fait, ça dépend des goûts, quoi. Non, ça fait métal quand même. Ça fait métal. Ouais, je vais tout sortir. Hein. Je sais pas où je vais tout mettre, mais je vais essayer de tout sortir. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Une main. C'est quand même assez gros, hein, la main. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Commencer par le... Ok, les jambes qui s'accrochent au... Les deux jambes qui s'accrochent au torse. C'est plus facile à mettre dans le torse quand même. Alors ça... Ok. Ça c'est le haut, mais c'est pas ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour accrocher les jambes. Ok. Ça va bien. C'est monté. Ok. C'est monté. Ça tient bien. Hein. Ça tient assez bien. Je vais aller mollo.
l'un que l'autre jambe. Qui était. Ça, c'est un bras. Ça doit être ça. Eh oui, c'est ça. Notre bras. Jambe, pardon. Avec les flammes. Pas de casse. Hein. Elle va s'enfiler là. Normalement. Attends. Attends, on va prendre ça comme ça. Ça me fait peur. Et est-ce que je peux là? Oui, je peux le poser sur le socle. Comme ça et comme ça. Vas-y, parce que là, c'est chaud. Tu veux pas? Si je fais comme ça. Ouais, c'est mieux. Allez, descends. Casse pas, s'il te plaît. Mettre une comme ça. Là, c'est là. Tac. Et. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où ça? Bon, ça n'a pas l'air cassé, ça a l'air emboîté. Et d'où? Ah là. Ok. De l'autre côté. Ah non, ça s'enlève. Pourquoi? Ok, bon. J'ai eu peur. Ça s'enlève, ça se remet, c'est bon. Gun. J'ai dit de mettre le gun. C'est pas gun. C'est pas gun. Ça c'est gun. Avec la main. Ça c'est du canon. Ça c'est beau. Avec ça alors. Ouais. Ok. Je peux le tourner? Non. Non. Mais non. Qu'est-ce qui pas comme ça? Ah ouais, je me disais, c'est de ce côté. Là. Hop. C'est monté ça. Attends. Ça doit être aimanté. C'est pas aimanté. Putain. Ok. C'est chaud. Hein. Ça tient, mais c'est pas aimanté. Ok. Bon, avec le poids, ça tient. Regarde. Alors, suivons. Encore des flammes. Pour ça va aller derrière sur moi. Il me faut un bras. Non plus. Non plus. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ok, ça. Plus. Bon, tu me trouves un bras. Ah, il est derrière. Il faut chercher longtemps. Il est là. Il va là. Encore cette pièce-là. Bon, bah, je crois que je vais mettre la pâte à fixe sur celle-là. Bon, je la mettrai après. Fait que de tomber, ça m'énerve. Ok, il y a des piles qui vont dans la tête. Il y a des piles qui vont dans la tête. Attends, peut-être mettre le... Comment ça? Attends. Tac, tac. Ah, puis il y a des piles dans les jambes. Ok. Ok, ok. Bon. Toi, comment ça se met là? Dedans. Comment?
tient comme ça. Ouais, ok. Est-ce que ça tient? Oui, ça tient. C'est bon. La tête, je l'ai vu, elle est là. Magnifique tête. Il y a un compartiment pour mettre... Ah bah voilà. Les piles que j'ai pas. J'irai les acheter. Je sais pas lequel modèle il faut. J'ai dit mini pile. Ils me disent lequel c'est. Switch on off LED. Switch il est derrière. Ok. J'ai pas de pile. Ça s'allume en vert normalement. Tourne la tête. Ouais, j'ai racheté des piles. Après, la tête elle est mise. Je peux mettre des piles là, ils disent. Ok. Mais c'est quoi comme pile? Ben, y a rien. Bon, je peux démonter ça, mais... Pourquoi? L'autre côté. L'autre côté. Bah écoutez, il n'y a pas de... Bon, pas pourquoi. Pourquoi ça, c'est pas beau du tout ça. Bon, je vous montrerai après, mais c'est pas beau. C'est quoi? Bon, pas bon ça. On va voir ce que ça a dit. Ah, d'accord. C'est des caches, ok. On n'est pas obligé de... Je peux le laisser comme ça. Ok, mais alors là, je vais vous montrer un truc, c'est pas joli ce qu'ils ont fait. Bon. Voilà quoi. Moi, je l'aime bien comme ça, en fait. Je trouve que comme ça, il a de la gueule. Ça tout chichi, là, des jetpacks. Ah, puis la pièce de côté qui s'enlève, qui tombe, en fait, c'est fait exprès. C'est pour mettre ça, comme ça. Du tout. Ouh là. Ouh. De côté. Ah, c'est ce gros truc là. C'est énorme, ça va tenir. Ok. Tu veux pas montrer, ça pèse hein. Les jetpacks, mais franchement, boum, c'est dedans. Puis l'autre qui est tombée, et celle là qui veut pas sortir, c'est merveilleux. Elle est collée. Vous rigolez les mecs? L'autre, elle tombe toute seule, celle-là, elle même pas. Ouais, bon. Ouais. Un peu hasardeux. Tac, tac. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il y a aussi ça sur le pied qu'on peut mettre. Le truc que je vous disais avant qu'on peut enlever. Des gros réacteurs qui vont se mettre là. Alors si j'enlève ça. En fait, c'est pas pour les piles. Hein, Putain. Comme ça. Comme ça. Ouais, comme ça. Moins fan perso. Non, c'est pas comme ça.
Alors là, les aimants, ils sont bons. Mais non, c'est plutôt celui-là. Non, c'était juste. Non, c'était juste. Non, c'était celui-là. Voilà. Mais moi, je suis moins fan. Non. Moins fan, je vais pas les mettre. Perso, je vais pas les mettre. Allez, donc carton. Les deux ailes. Non, il y a ça sur le socle. Ça doit aller. J'ai vu un trou là. C'est monté ou pas? Ouais, c'est monté. Là. Ouais, bon, ok. Je vais remettre ça. Il y a une spé ici. Ça, ça va sur les bras, ici. Mais je ne vais pas mettre non plus, parce que je sais pas, ça fait trop... Ah, j'aime pas. C'est tellement gros comme ça. On voit quelque chose, là. Qu'est-ce qu'on a, là? C'est comme une pièce qui va dans l'eau. Où tu vas? Là. Là, il n'y a pas, là, il n'y a pas. Côté, il y en a une. Ah, là-bas. Tac, une bague là-bas. Là-bas. Ok. Non, mais le plan, c'est quand même top. Hein. Il y a certaines figues, là, de certains studios, là. On voit rien, quoi. Il ne faut pas aller, ce truc. Côté. Non, file-toi là. Oula. Là. Ouais. Ouais, ça tient un peu. Ça tient un peu de balle. Les ailes. Où allez-vous, les ailes? Je croyais qu'elles étaient cassées. Mais elles semblent être pétées. Mais c'est bizarre. Attends. Les bras, il n'y a pas d'aile. Elles y sont pas. Ouais, c'est pas les ailes, c'est des ailerons, moi. En fait, les flammes, elles vont dans les réacteurs, ouais, exact, là, comme ça. Si vous voulez les mettre là, bah, je vais faire à moitié. Hein. Par contre, deux. Attends, là, il y a deux ailes. Derrière, ça, ça va être les petites ailes de côté. Ah, là, peut-être. Ah, vous là en bas. Ah, ok, c'est la continuité. Ok, alors elles ont pété. Elles vont là en bas. Elles ont pété net, mais alors franchement, faut les recoller, d'accord, mais c'est une connerie d'avoir fait ça comme ça. Grande connerie. Deux ailes qui vont là. Ici, et là, ouais, je vais vous montrer de plus près, la figue. Bah, dans son ensemble, elle est jolie, moi j'aime bien. Je vais pas mettre les gros réacteurs comme là qu'on voit, hein. J'ai mis d'un côté. Moi franchement je suis pas fan. Ça fait trop lourdeau. La flotte on peut la voir. Elle aurait pu être mieux faite. Le pain ça va. Là on voit les deux ailes, on voit. Elles ont cassé, ça va. Elles vont là. Ça continue ici. Ici là.
Attends, ouais. Là. Tac, on voit, elles ont cassé net. Elles ont pété net les deux. Mais elles étaient posées dessus, je comprends pas comment ça se fait. Ou alors elles étaient déjà cassées. Ou il faut les coller. Parce que comme c'était dans la boîte, c'était bizarre. Autrement, la figue est top. Ah ouais, juste le truc, ça, c'est dégueulasse, ça. Ça, là. Le truc est monté. Hein? Voilà, transition dégueulasse. Si je veux pas mettre les jets, là, c'est pas très joli. Attends, j'enlève ça. Ça, c'est pour poser la pièce, là. Le réacteur. Mais regarde, là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Il manque un bout. Ah, mais il manque un bout en fait. Genre, demander qu'il m'envoie une pièce. Ah non, mais attends, le bout il est. Je sais pas. C'est pas beau. Fait chier. C'est moche. Non, alors écoutez, là, les gars, je vais faire un. Ouais, non. Ça, c'est pas joli du tout. La pièce, à mon avis, elle est cassée. Je vais demander s'il me renvoie une. On verra. Alors voilà pour cette Macross. Suis un peu mitigé. Moi, je m'attendais à mieux, franchement. Pour du P1, je m'attendais à mieux. Ah, je vais vous sortir le petit frère. Mais il va pas tenir. Voilà. Si, tiens. Voilà. Voilà les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pardon. On a les deux. Et je vous dis à la prochaine. Je vous tiendrai au courant en bas dans les messages sur YouTube du SAV. Qu'est-ce qu'ils vont me répondre? Alors, bonne journée à tous. Portez-vous bien tous. Et à la prochaine vidéo. Et ben le voilà avec les batteries. Je voulais juste vous le montrer. Avec le LED allumé, ça donne vachement bien. Voilà. Ces deux petites piles AG3 qu'on met dans la tête. Et il s'éteint ici. Tac. Et tac. Ouais, LED assez puissante. Franchement, j'aime bien. Ça donne bien. Alors voilà pour ce petit bonus. À bientôt les amis.